Charlotte est perdue, tu vois, mais j'avais au moins un enfant de lui. C'est quand même normal qu'un enfant sache comment est son père. Oui, mais s'il a disparu. Mais il peut très bien réapparaître. Charles peut réapparaître d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Mais personne n'y croit. Que Charles réapparaisse ou non, c'est pas là l'essentiel. Il reste dans mon cœur et c'est pourquoi je ne peux donner mon cœur à personne d'autre. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Pas assez pour vivre avec toi, mais... Il y a des tas de femmes qui aimeraient mieux vivre avec un autre homme que celui avec qui elles vivent. Mais il n'existe pas, c'est un rêve. Tu crois pas que je t'aime? Ce n'est pas parce que j'étais follement amoureuse de Charles et que je suis très triste de quitter Loïc que je ne serais pas heureuse avec Maxence. Écoute, maman, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est que la question du choix ne se pose pas. Comme ça traînait, je me suis fait des illusions. Bah, c'est fini, c'est mieux, c'est net. Je rentre à Paris. Lâche-moi ou je cogne! Avec toi, je me sens bien, mais différente. On s'est peut-être connus, nous aussi, dans une autre vie. Diriez-vous pas qu'elle respire et que ses veines roulent vraiment du sang? De la magie? Mais toutes les religions ont cru à la réincarnation. Si j'étais Dieu, je te chérirais tout particulièrement. Et pourquoi? Parce que tu as été malheureuse d'une façon très injuste. Et que tu es capable de sacrifier tout, ta vie, ton bonheur, à un amour qui n'est même pas présent. Il faut pas pleurer. J'en pleure toujours.